Namasté et bonjour. Là, je vais vous montrer comment je prépare mon somo tandoori. Alors, j'ai un morceau de 150 g de saumon ici. Et j'ai des épices et quelques légumes. So, today I'm showing you how I make my tandoori salmon in the oven. I have about 150 grams of salmon here. And I have some spices. So the spices I have are black salt or the Himalayan salt, du sel noir, du curcuma, turmeric, red pepper, piment rouge, mon chai masala, mon masala qui est au milieu. So my own blend of spices called the chai masala. And on the left I have carom grains. Et à côté de mon chai masala, j'ai les graines de carom. Alors, je vais prendre un couteau et percer un peu le poisson. So I'm going to mix all the spices and then put them in the slits which I just made with the knife. Cover it. Then place some slices of lemon or lime, whatever you like. Là, je place les tranches de citron et quelques légumes. Un peu de poivron, and some veggies, like I have green peppers and onions. So I'm going to add those and sprinkle the rest of the spices on the veggies. Et maintenant, finir les épices qui restaient sur les légumes. Et voilà. Je vais fermer ça et enfourner pendant une dizaine de minutes. And I'm going to cover it, wrap it up properly, and then I'm going to put it in the oven for about 10 minutes. À 180, le four est déjà préchauffé. So at 180, and the oven is already preheated. It's been 10 minutes, ça fait à peu près 10 minutes. Je l'ouvre. So, what I'm going to do now is I'm going to sprinkle some garlic powder on top. Maintenant, après 10 minutes de cuisson, j'ajoute un peu le poudre d'ail séché. Je vais mélanger ça avant aussi, mais j'aime bien le mettre à la fin un peu. Je vais couvrir et laisser le poisson et les légumes dedans. Je vais arrêter le feu, c'est déjà arrêté, et le manger dans quelques minutes. Bon appétit et n'oubliez pas d'aimer, de partager.